Ici, Raymond Woodway, en compagnie de Céline Dion. Est-ce qu'on dit Céline Dion maintenant? Parce que là, évidemment. Maintenant, tu attaques le marché américain. Là. Moi, je suis un peu triste parce que ça veut dire qu'on ne verra plus au marché Atwater. Une première réponse sympathique. Écoute, Céline, tu as changé. On dit physiquement, je veux dire, ça se visible. Donc maintenant, la petite bretelle, l'épaule qui se dénude, le nombril qui nous sourit, la dentition qui sourit. Et j'ajouterais que, mettons que tu te retournes voir le pape, penses-tu qu'il va t'accueillir, puis as-tu l'impression qu'il va perdre son chapeau? Franchement. Je n'ai pas surpris, c'est sa limite. Une petite réponse? Une petite réponse, ça. Yeah. Nostradamus! Richard Z-Sirois est là! Bonsoir, Richard! Je suis pas juste un Richard Z-Sirois, Pierre. Ce soir, je suis un Richard Z-Sirois qui est... Ah oui? En Christ, je dois le dire. Qu'est-ce qui se passe exactement? Comment ça? En ce moment, Pierre, en ce moment, là, je pense au pauvre monde qui a payé 4,99 la minute pour se faire raconter des niaiseries par une espèce de caniche transsexuel bleaché. C'est sûr, ça, c'est pas correct de la part de ce sympathique mouton de silicone avec des cheveux blonds, là. Mais pourquoi est-ce que tu le prends aussi personnel? Je le prends personnel, Bob, parce que nous, pendant des années, on a prédit l'avenir à Sans Limite. On n'a jamais chargé personne pour ça. Ah, mais est-ce que tu peux donner un exemple aux gens d'une de nos prédictions qui se serait réalisée aujourd'hui? Oui, je peux en donner. Prends l'exemple de Céline et René. Oh. On a prédit des années avant tout le monde qui finiraient par sortir ensemble. Mmh. Et on a visé tellement juste que aujourd'hui, pour moi, ça en est même un petit peu gênant. Puis c'est pour ça que je pense qu'on va vous présenter des images tout de suite. T'es mouvant, ce gars-là. À Sans Limite, nous sommes 100% désolés d'avoir tout bousillé le plan de marketing de René Angélil en annonçant 5 ans trop tôt sa relation avec Céline Dion. Pardon, Céline, on n'est pas fin. Mea culpa à Céline et René. Première allusion! J'ai ton agenda d'il y a 2 semaines, puis je vois spectacle mercredi à Los Angeles, jeudi à Toronto, vendredi matin, faire l'amour, vendredi... Ovulation! Es-tu enceinte? Comment t'as fait ça? Ça prend un bon gérant. J'en ai un, ça fait 10 ans que je l'ai, je vais toujours l'avoir. Ah, c'est lui! Puis ça prend non seulement un gérant, mais ça prend une grosse... Vu que c'est ton gérant, là, quand est-ce qu'il veut que t'accouches? Il y a des dates en tête, mais je veux pas le dire. Peut-être René peut te le dire, mais vu que c'est pas certain, cette date-là encore, je veux pas dire une date que c'est pas sûr. Deuxième allusion! Et toi pis ton gérant, là, René Angélil, là, ça a-tu aidé dans ta carrière, ça? Ben, je pense que oui, déjà, c'est un gros point de ma carrière, d'avoir eu des... Des relations avec ton gérant. Exactement. On va aller le voir, René Angélil, grâce à la magie de la télévision. René Angélil, et c'est-tu vrai que toi pis la petite colombe du pape, là... Hein? Sincèrement, je te mentirais si je disais non. C'est la réaction de tout le monde à travers le monde en ce moment. Mais Céline est un petit peu trop jeune pour toi, René. La poule, il paraît qu'elle n'a pas de gérant, hein? Troisième allusion! OK, c'est parti. Raymond Woodway with Céline Dion. Céline, on form? Ça va très bien, merci. Céline Dion, you know, bon, we know you English with Johnny Carson, with Jay Leno, American Music Award, but do you French with René Angélil? Je sais pas si j'ai très bien compris la question, là. Pas besoin de pas penser à ça. Je t'avertis. Il n'y a pas de problème. OK? Parce que là, je te le dis devant témoin, là, il n'y a pas qu'à le monde. Là. Non, mais. Tu as besoin de pas penser à ça. Vous êtes au réseau, quel réseau vous êtes? 4 saisons. Tu as besoin de pas le penser. J'apprécie pas ce genre d'interview. Je t'ai laissé faire en pensant que ça pouvait peut-être être drôle, qu'il y aurait de l'humour. Je pourrais être drôle parce qu'il nous pensait. Ça, c'est pas drôle. Moi, j'aime pas cette joke-là. OK? On
tu comprends? Parfait. On peut se reprendre, par exemple. Maintenant, on peut se reprendre, par exemple. Maintenant, on peut se reprendre, par exemple. Maintenant, et alors, quand est-ce qu'on se reprend? Le 4 novembre au soir. Malheureusement, notre agenda est trop chargé.